L'Electronic Links permet d'identifier facilement toute erreur active au niveau du fauteuil. Si un code panne est présent sur le fauteuil, l'indicateur lumineux du bouton marche-arrêt clignotera en rouge. Le code panne peut être identifié en comptant le nombre de clignotements ou par le menu Erreur active disponible dans le logiciel Links Access. Depuis le menu principal, cliquez sur Historique des défauts, puis sur Erreur active. L'erreur présente est clairement identifiée ainsi que l'élément à l'origine du code panne. Cliquez sur le message d'erreur pour avoir plus de détails et voir les solutions suggérées. Dans cet exemple, l'électrofrein du moteur droit est en cause. Il est suggéré de vérifier que le moteur est bien embrayé et que le câble de connexion des moteurs n'est pas endommagé. Le journal d'événements peut être lu en se connectant sur le fauteuil et est également inclus dans la sauvegarde de la programmation. Les événements sont affichés dans l'ordre chronologique et horodaté grâce à l'horloge interne incluse dans l'Electronic Links. La première erreur présentée est celle du frein de parking. Il est donc possible de voir si cette erreur est récurrente et ainsi aider à comprendre la cause. Par exemple, si elle survient une fois par semaine, toujours à la même heure, celle-ci peut être due à une action ou une situation particulière. Chaque allumage du fauteuil est également répertorié.